قبل قليل قمنا بإجابة على الأسئلة الخاصة بلابات ميرفي أحمد صفراوي شابتر 2 تيست دو كومبريونسيون 25 كيسيون تقريبا 18 دقيقة حقق فينا واحد سكور 1 minute 02. Il y a quelques instants, on a bien répondu aux questions de la boîte à merveilles d'Ahmed Sfraoui comme révision. Chapitre 2, test de compréhension, à peu près 25 questions. Il nous a donné 18 minutes. On a battu le score par 1 minute 02. Suivez avec nous, s'il vous plaît. Nous sommes toujours en direct avec vous. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها التلاميذ الأعزاء أولى بكالوريا معكم يوسف دلال من خلال الشاشة المتميزة جي كومينكس تي في وكذلك الخدمة اللي تنقدمها لكم سكسي باك 1 الاستعداد للامتحان الجهوي المقبل إن شاء الله. إذن هذه مراجعة متميزة وفريدة من نوعها خاصة بالرواية الشهيرة لأحمد صفراوي لا بواط أ ميرفاي. سوف نقتصر الآن على شابتر 2 La test de compréhension, on a à peu près 25 questions de la boîte à merveille d'Ahmed Sfru. C'est une révision un petit peu particulière. Et là, c'est bon, maintenant, on a environ 18 minutes. On a 18 minutes, on a environ 25 questions. La boîte à merveille d'Ahmed Sfru. Et là, on commence maintenant. À quoi était consacré le mardi homicide? À quoi était consacré le mardi homicide? À faire le nettoyage homicide, à réciter quelques chapitres du Coran, à faire des prières ou le rituel des ablutions. Et donc, à quoi était consacré le mardi homicide? À faire le nettoyage homicide, à réciter quelques chapitres du Coran, ou à faire des prières ou le rituel des ablutions. D'entendre le job, ça est ou pas. On continue. Alors, comment s'appelait la mère du narrateur? Lala Rahma, Lala Fatma, Lala Zubida ou Lala Aïcha? Lala Zubida. Très bien. Qui était Lala Aïcha? La sœur de Lala Zubida, une locataire de Dar Shuafa, la femme de Fré, une ancienne voisine. Lala Aïcha, je connais bien, la sœur de Lala Zubida, le locataire de Dar Shuafa, non, la femme du frère, non, une ancienne voisine, bravo. Alors pourquoi Lala Zubida reçut-elle froidement son fils à son retour du msit? Pourquoi Lala Zubida reçut froidement son fils à son retour du msit? Elle était en colère, elle lui en voulait. Et lui en voulait pour sa dispute avec Zineb. Elle était occupée à faire la lessive et souffrait d'une terrible migraine. Dans le fond, comme elle est, les Zubida, c'est un peu plus de temps. C'est un peu plus de temps. Froidement. C'est un peu plus de temps. Elle était en colère. Elle était occupée pour sa dispute avec Zineb. Elle était occupée à faire la lessive. Est-ce que c'est A ou B ou C ou T? Alors, il était en colère, Mandanch, chapitre 2. Il en voulait pour sa dispute avec Zineb, par Madkarnash, Zineb, fait chapitre. Alors, c'est D, bravo. Alors, que remarqua Lala Aïcha en regardant l'enfant? Que remarqua Lala Aïcha en regardant l'enfant? Lala Aïcha, bien sûr, c'est une ancienne voisine. La pâleur de son visage. Mada lahadat fi wajhadak at-tifl. La pâleur de son visage, l'éclat de ses yeux, le sang sur son visage, le noirceur de ses dents. Noirceur de ses dents, mandanch. Le sang sur son visage, mandanch. Soit la pâleur de son visage, manasforiya fi wajhadiyalo, l'éclat de ses yeux. T'entends bien la pâleur de son visage, voilà la bonne réponse, c'est bien. Quel conseil donna Lala Aïcha à la mère du narrateur? Quel conseil Lala Aïcha donna à la mère du narrateur? Prie au niveau considéré libéral,
faire un don au fqih, aller consulter un médecin ou aller visiter ses derniers bourrelets. تجني النصيحة اللي عطات لها العيشة لا مير دو ناراتور في الشابيتر 2. واش بري او نيفو كونسيدير لي بوغالب بريي او نيفو كونسيدير لي بوغالب نو ما نظنش فيغ ان دون او فقيه الي كونسلتي ان ميدسان ديك الساعة الاطباء كما كان الي فيزيتي سيدي علي بوغالب. سيدي علي بوغالب هذا واحد الطريح موجود في جوار ديال الفاس. اذا تنظر بان هو لا بون ريبونس سي بيان برافو. Alors, d'après Leïla Aïcha, à quoi servait la visite de Sidi Ali Bouhalb? D'après Leïla Aïcha. D'après Leïla Aïcha. D'après Leïla Aïcha, à quoi servait la visite de Sidi Ali Bouhalb? À respirer le grand air, à faire revenir le mari, à guérir la mère et l'enfant, à confesser ses péchés. D'après Leïla Aïcha, à quoi servirait la visite de Sidi Ali Bouhalb? إذن ما الفائدة من زيارة سيدي علي بوغالب؟ شنو الفائدة منه؟ أغسبير لو غران أر، أفار روفونيغ لو ماري، أغيغيغ لو لا مير إي لونفون، أغيغيغ لو مير إي لونفون، هذا تبان لي هو الجواب صح. إذن كيسكو لو فيزاج دو ليلة عايشة إنسبيري أو ناراتور؟ إذن كيسكي لو فيزاج دو ليلة عايشة إنسبيري أو ناراتور؟ إذن بالنسبة لسيدي محمد، هاد الراوي ديال هاد لا بواطا ميرفاي، بالنسبة لليلة عايشة، شنو هو الوصف اللي يوصف ليلة عايشة؟ بالخصوص الوجه ديالها. Un certain éblouissement, un égib, un certain malaise, un certain pitié, un certain dégoût. Il y a un certain malaise ou un certain dégoût. L'éblouissement ou la pitié, il y a un malaise, dégoût, un certain malaise, un certain dégoût. Ça me donne un certain dégoût. Bravo! Par quel moyen les deux femmes et l'enfant se rendirent-ils à Sidi Ali Bouhalb? Dijni tariqa ou le wassila intiqal dialum ila Sidi Ali Bouhalb. Min fes ila Sidi Ali Bouhalb. Dijni tariqa, chenou wassila zet tanakul. À pied, à deux de mulet, en autobus, en charrette. Dijni en autobus, ma kanj dik sa. 1920, 1921, sa m'tkellem, adik ma kanj dik sa l'autobus. À pied, à deux de mulet ou en charrette. En charrette, mon danse. Soit à pied, soit à dos de mulet. Il y a le massif. Je fais le massif. Le massif est pays d'art. Il y a dos de mulet, bien sûr. Mais le massif est cassé. Il y a un tour, c'est à pied. T'entends bien la bonne réponse, c'est à pied. Mara est comme à pied. Yala, ok, d'accord, bravo. Yala. Prochaine, n'a pas de l'école. Par quel rituel commença la visite du mausolée? Le rituel. Est-ce que se prosterner devant la porte du mausolée? Ah, mandanche. Faire le tour du mausolée, se rafraîchir avec l'eau du mausolée, le faire un don au mqaddam. Au mqaddam. Faire un don au mqaddam, se rafraîchir avec l'eau du mausolée. Tandan bnscot. واحد فيهم فيهم الجواب. اما فيغ لو تور دو موزولي ما نظنش. سو بروسترني ما نظنش. لا سو رافراشيغ افيك لو دو موزولي ولا فيغ ان دون او مقدم. مقدم سو رافراشيغ افيك لو دو موزولي. برافو. ديك الساعة ما كاينش مقدم ديك الساعة. كيل سونس دوني فو او مو كاتافالك. شنو المعنى ديال كاتافالك؟ لا شامبر دي بيلرين استراد سور لاكيل اي بلاسي لو سيركوي. L'estrade sur laquelle les pèlerins font la prière, la cour de la Zawiya. Quel sens donnez-vous au mot catafalque? Quel sens donnez-vous au mot catafalque? Dans une manière de catafalque, où est la chambre du pèlerin? Normandan. L'estrade sur laquelle est placé le cercueil. L'estrade sur laquelle les pèlerins font la prière, les pèlerins, non, la cour de la Zawiya. La bonne réponse, c'est l'estrade sur laquelle est placé la cercueil, le cercueil, le qabr. L'estrade sur laquelle est placé le cercueil, c'est la bonne réponse. Alors 12, quel être affectionné en particulier Sidi Ali Bouhalb? Je connais le kainat.
اللي لقات إعجاب من طرف سيدي علي بوغالب. ألوغ لي زوازو لي زانفرمي لي الشا، لي الشا بالخصوص كانوا ديك الساعة القطط بزاف سيدي علي بوغالب. Quel prétexte avança la gardienne du mausolée pour inciter les deux femmes à faire un don? Quel prétexte ou سبب اللي جعل هذيك لا غارديان تشجع لي دو فام باش يعطيو الهبه للطارح؟ نوغي غسواني لي بيلغان، نوغي غسواني لي مالاد، نوغي غسواني لي شا، دير لي شا لي غارديان. تنظن بان لا بون ريبونس سي. برافو. Alors, qu'arriva-t-il au petit garçon lors de la visite du mausolée? Qu'arriva-t-il au petit garçon lors de la visite du mausolée? Mada waqala? Qu'arriva-t-il? Chnou le hadith allait tra Sidi Mohammed, maintenant, donc Rawi. Il a été grondé par la gardienne, mandanch. Mokash li chitou bih m'taraf le harissa. Donc, il a été griffé par sa mère, mandanch. Donc, un chien, تنظن بأن كلها عندها علاقة مع un chat. Il a été griffé par un chat. Il a été griffé par un chat. Pourquoi Rahma gifla-t-elle sa fille Zineb? علاش ضربات زينب ديك الساعة؟ علاش زينب faisait des cauchemars؟ زينب ne voulait pas aider sa mère à faire le ménage. محتمل زينب mouillait son lit presque chaque nuit. Zineb ne voulait pas dormir dans sa chambre. Imma Beulesse. Imma Zineb ne voulait pas aider sa mère à faire le ménage. Ou là, Zineb mouillait son lit presque chaque nuit. Maintenant, il y a un problème de maladie. Il y a un problème de maladie. Tandis la bonne réponse est c'est. Voilà. Alors, depuis combien d'années la famille du narrateur habite-t-elle Dar Shouafa? Tqriban chhal men sana? Wa 6 ans? Hada l'omr dial ttifl? 10 ans, 12 ans, 3 ans? Haqiqatan sa3b hada ssoual hada lanna khassna nthakmou fih wach 3 ans ou 12 ans ou 10 ans. Men khilal l'rujou' ala riwaya, sawfa nta3rf ala dhalik. 6 ans, 10 ans, 12 ans, 3 ans. Alors, est-ce que c'est A, est-ce que B? Imma, maintenant je suis à 10 ans, là. 10 ans, non. 6 ans, ou l'amour de l'autre. Imma, 2 ans, imma, 3 ans. Imma, c'est le D. Non, d'accord, moi, je n'ai pas c'est le D. 12 ans, à 3 ans. C, D. Quelle est donc la bonne réponse ici? Alors, c'est D. Bravo. C'est 3 ans. Alors, pourquoi le petit garçon n'ira-t-il pas au msid de mercredi? Elle est même chez le msid, yom l'herbeur. Il était fatigué, il n'avait pas préparé ses leçons. Sa djellab a été taché de sang. Mandanj. Il voulait accompagner son père, Mandanj. Bisbel CODO, Hassibanis Mustabana. Yem A ou Yem B. Il était fatigué, ou n'avait pas préparé ses leçons. Gnaw qu'allez hadith saf Sidi Ali Bouhalib. Mala wahad. Wahad l'kata d'arbajou. Masalan. Khadachetou. Il était griffé par un chat. Il était fatigué. Bravo. Combien de jours, durerait le congé des petits garçons? C'est pas le cas de Rachel, 3 jours, 2 jours et demi, 1 jour et demi, 4 jours et demi. Il y a 3 jours, 1 jour, 4 jours, c'est trop. Alors 2 jours et demi, c'est la bonne réponse. Alors comment s'appelait le mari de Fatma Bzouya? Et quel était son métier? Il y a un de Fatma Bzouya, mais il y a un métier qui est un métier. Abslam, non, Abslam, un jardinier, non, Allel, un jardinier, ou Abslam, un cuisinier, non, cuisinier, mandanj, Allel, un tisserand, mandanj, Abslam, Eden, la bonne réponse est C, Allel, le jardinier, Eden, Ism, dit le Zouj, dit le Zouya, ou Allel, le jardinier, le Zouj, dit le Rahma, ou l'Aouad, Driss l'Aouad. Alors, je finis dit, je fous 20, il reste 4 minutes. Alors, qui était Driss le teigneux? Donc, le mtsallem, Driss le teigneux, ou le mtsallem, je suis le français, ou l'épicier, le frère, l'associé, ou un apprenti. Il est un apprenti.
Qu'est-ce qui montrait que la famille du narrateur était assez aisée? Je nous lisais bien que l'osra de Sidi Ali, Sidi Mohamed, ou l'abdil ou la famille Kemna, la baisse à Léon. La famille pouvait se promettre d'inviter les voisins chaque semaine. La famille pouvait se promettre de voyager souvent. La famille pouvait se promettre de manger de la viande 3 à 4 fois par semaine. Leur maison était composée de 3 pièces. La famille pouvait se promettre d'inviter les voisins chaque semaine. La famille chaque semaine. Ou là, la famille. Et en Aslan, c'est qu'on est au deuxième étage, on passe Minelchim à Fatma Bizouya. C'est la bonne réponse. Bien, bravo. C'est-à-dire la famille pouvait se promettre de manger de la viande 3 ou 4 fois par semaine. Alors, quel était le métier du père du narrateur? Un tanneur, un fabricant de charrues, un jardinier ou un tisserand? Ou un fabricant de charrues, mais c'est ce que je suis des charrues, un jardinier, ou un tisserand. Un tisserand, c'est ce que je les bien sûr, un tisserand, c'est ce que je veux dire, un tisserand, on a la bonne réponse, un tisserand. Bravo. Alors, reste 2 questions. À combien de kilomètres des fesses se trouvait le village d'origine du père du narrateur? Ça y est, je suis désolé. Elle fait la similaire au 150, 80, 50, 100 km. À combien de kilomètres de fait se trouvait le village d'origine du père du Mouhamed Kazmich, il y a pas de temps, kilomètres. Mais on va voir, 80, 50, 80, 50, 100, 150, 150, بعيد بزاف, 100 بعيد بزاف, 80 ou 50. On va choisir la petite, elle fait 150. Bravo, 50 km. Quel était le seul jour de la semaine où le Mallem Absalem déjeunait avec sa famille? Le dimanche, le mardi, le samedi, le vendredi. Le vendredi, bien sûr, j'ai moi. Voilà ma réponse. 25. Quel cadeau offrait Rahma à petit garçon? إذن فاش وقع لي حادثة في سيدي علي بوغالب وجاتك سيدي محمد المنزل وبقى وما كتب في المنزل تقريبا شي 2 جوغ و دومي لأنه تصاب بهذيك الحادثة ديال القطة. كيل كادو أوفخي رحمة أو بوتي كارسون واش أون بيس دان فرون من ريال أن كابوشون دو فيغ ولا دي بيني ولا أون بوتي بواط. إذن هنا دي بيني وأون بوتي بواط، حنا تعرفوا بأن فاطمة بزوية هدات ليه دي بيني. Une petite boîte, on voit déjà un de la boîte à merveille, mais c'est chez le bas. Une paire d'une pièce d'un franc, c'est 4 nokoud nadira. Un cabochon de verre, c'est la bonne réponse. Votre score est obtenu et 100%. Vous avez complété l'exercice. Bravo, 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 bravo. Et les dommages, il est le kinin. Là, donc, à quoi était consacré le mardi du Cid? À réciter quelques chapitres du Coran. Bien. Comment s'appelait la mère du narrateur? Lalla Zubida. Qui était Lalla Aïcha? Une ancienne voisine. Pourquoi Lalla Zubida reçut-elle froidement son fils à son retour du Msid? Elle souffrait d'une terrible migraine. Que remarqua Lalla Aïcha en gardant l'enfant? La pâleur de son visage. Quel conseil donna Lalla Aïcha à la mère du narrateur? Allez visiter Sidi Ali Abogalb. D'après Lalla Aïcha, à quoi servait la visite de Sidi Ali Bouralb? À guérir la mère de l'enfant. Qu'est-ce que le visage de Lalla Aïcha inspirait au narrateur? Un certain dégoût. Par quels moyens les deux femmes et l'enfant se rendirent-ils à Sidi Ali Bouralb? À pied, de la Rijline. Par quel rituel? Chez le Marasim, de la Marasim. Par quel rituel commença la visite du mausolée? Le marasim khassa, il y a se rafraîchir avec l'eau du musulman. Quel sens donnez-vous au mot katafalk? C'est une strate sur laquelle est placé le cercueil. Il y a un mot
Alors, qu'elle était affectionnée en particulier, c'était à l'ébranlable, les chats. Quel prétexte avance à la gardienne du mausolée pour inciter les deux femmes à faire un don, nourrir et soigner les chats? Qu'arriva-t-il le petit garçon lors de la visite du mausolée? Il a été griffé par un chat. Et pourquoi Rahma giflait-elle sa fille Zineb? Zineb mouillait son lit presque chaque jour. Depuis combien d'années la famille du narrateur habite-t-elle Darchouafa? 3 ans. Et pourquoi le père du. Et pourquoi le petit garçon n'ira-t-il pas au Msid le mercredi? Il était fatigué. Combien de jours durerait le congé du petit garçon? 2 jours et demi. Et comment s'appelait le mari de Fatma Bzoué? Quel était son métier? Allel un jardinier. Allel jardinier. Qui était Driss le Teigneux, un apprenti du Mallem Abslem? Et qu'est-ce qui montrait que sa famille du narrateur était assez aisée? Madame, l'ébé salaire. La famille pouvait se promettre au manger de la viande 4 fois, 3 fois ou 4 fois par semaine. Tabarakallah. Quel était le métier du père du narrateur? Un tisserand. Malassane, je l'ai lu. À combien de kilomètres fait se trouvait le village d'origine du père du narrateur? Le montagnard. Il est une chibelle. C'est comme très béchoué. C'est 35 kilomètres. Oh, 80 kilomètres, c'est. Le mieux comme si le mieux kilomètre, c'est. Quel était le seul jour de la semaine où Malem Abselem déjeunait avec sa famille? Il est une le vendredi. Quel cadeau offrait Rahma au petit garçon? Un cabochon de verre. Un cabochon, pardon. Un cabochon de verre. Cabochon, c'est pas cabochon. Cabochon, pardon. Cabochon. D'accord? Voilà de la question. Djelhad, chapitre 2. Kamouraja. N'kille kum t'aoudou le vidéo, j'aime l'khtra. Mais je te fais moule. Est-ce qu'il est les filles? Dans le haqqaq, la score. T'kriben 18 minutes. T'kriben 19 minutes. 1 minute 02. Bravo. Ou ma kintashi khata. Pardon, l'asile. Kintashi khata. Ya in. Wa. Kul shi l'ajouba jouban alias. Bishik l'sahih alika. Muraja'a. Farida min noua. Nqaddim alikum. Min khilal hadh shash al-mutamizah. Jikoum l'iktibi. Lil fahm l'istiab. Jami' al-mustawiyat al-dirasi. هذه نوعية أخرى من الأسئلة على شكل PDF سوف نقوم بإجابة عليها بكل يسر وسهولة لأنها شفنا تشيف الفيديو أو المقطع الأول السابق. إذن لابوتا ميرفايد أحمد السوري شابتر 2 كمراجعة فريدة من نوعها عندنا تقريبا 25 سؤال كوشي لابون ريبونس. إذن كوشي لابون ريبونس أبقون صابر. ألوغ Cochez la bonne réponse. Quel conseil? Mais il y a un nasiha. Quel conseil donna la Aïcha à la mère du narrateur? Vais-je prier? Vais-je aller visiter? Vais-je faire un don? Ou là, aller consulter un médecin? Nadar, confinez la bonne réponse. Bien sûr, B. Ce serait aller visiter Sidi Ali Bouhalb. Voilà, d'ailleurs, la bonne réponse. Voilà. Aller visiter Sidi Ali Bouhalb. Alors, quel être affectionné en particulier Sidi Ali Bouhalb? Il est un qui nous a dit qu'il y a un. تيكون بكثرة في هاد الضريح ديال سيدي علي بوغالب واش لي زوادو لي زانفيرمي لو شا و لي سانش بيان سور لا بون ريبونس سي سي بي سي سي لي شا Alors, par quel moyen les deux femmes et l'enfant se rendaient-ils à Sidi Ali Bouhalb? Chien le voici les tanaqul min fas ila Sidi Ali Bouhalb, les deux femmes et le garçon. Par quel moyen les deux femmes et l'enfant se rendaient-ils à Sidi Ali Bouhalb? À pied ou en charrette ou à dos du mulet ou en autobus? Bien sûr, la bonne réponse c'est à pied.
D'après l'Aïcha, à quoi servirait la visite de Salih Ali Boual? Mais il fait idem de Salih Ali Boual. C'est belle Aïcha. À respirer le grand air, à faire revenir le mari, à guérir la mère de l'enfant, à confesser ses péchés. Et la bonne réponse, c'est à guérir la mère et l'enfant. Qu'arrivera-t-il au petit garçon lors de la visite du mausolée? Madahat Il était griffé par un chat, il était griffé par un chien, il était griffé par sa mère, il était grondé par la gardienne. Il a c'est ah. Il était griffé par un chat. Qu'est-ce que le visage de l'Aïcha inspiré au narrateur? De nouveau, j'ai dit l'Aïcha. Qu'est-ce que le narrateur? Une certaine pitié, éblouissement, dégoût, la malaise. La bonne réponse, c'est Digou. Shmi'zez. Que remarqua l'Aïcha en regardant l'enfant? L'éclat de ses yeux, le sang sur son visage, la pâleur de son visage. La pâleur de son visage. Quel cadeau offrait Rahma au petit garçon? Oui, un cabochon de verre. Combien de kilomètres de Fès trouvait le village d'origine? À combien de kilomètres de Fès se trouvait le village d'origine du père du narrateur? 50, 80, il y en a 50 kilomètres. Par quel rituel commença la visite du mausolée? Se rafraîchir avec l'eau du mausolée, faire un don muqaddam. Faire le tour du mausolée, se prosterner devant la porte du mausolée. La bonne réponse, c'est A. Quel était le métier du père du narrateur? Un fabricant du charrue, un tanneur, un jardin, un tisserand. La bonne réponse, c'est D. Un tisserand. Je ne sais pas. Voilà. Alors, comment s'appelait la mère du narrateur? Est-ce qu'on avait les Zubida? La bonne réponse, c'est les Zubida. Comment s'appelait le mari de Fatma Zubia et quel est son métier? Il est un jardinier. Pourquoi Rahma giflait-elle sa fille Zineb? Ouais, Zineb ne voulait pas aider sa mère. Zineb ne voulait pas dormir sans sa chambre. Zineb mouille son lit presque chaque nuit. Elle est malade. C. À quoi était consacré le mardi au Msid? À réciter quelques chapitres du Coran, à faire des prières, à faire le nettoyage du Msid, au rituel des ablutions. Ablution, manourdo. Des ablutions. Réciter, réciter, à réciter quelques chapitres du Coran. Dimium tulete, si y aura, si c'est tard, il y a le soir, il y a le Coran. Pourquoi Laila Zubida reçut-elle froidement son fils à son retour du Msit? Elle est en colère, elle est en voulu passer des disputes avec Zineb, ils ont coupé affaire illicite. Il souffrait d'une terrible migraine. Qu'était Lala Aïcha? Une ancienne voisine, une sœur de Lala Zubida, la femme du fruit, une locataire de Darchouafa. Alors, qu'était Lala Aïcha? Lala Aïcha, je connais bien. Une ancienne voisine. L'ancien voisin. Qu'était Driss le ténu? Le frère, l'épicier, l'associé, un apprenti. Un apprenti. Alors, quel sens donnez-vous au mot catafalque? L'estrade sur laquelle est placé le cercueil, l'estrade sur laquelle les pèlerins font la prière, la chambre des pèlerins, la cour de la Zawiya. Quel sens donnez-vous au mot catafalque?
إذن تنظن بأنه سيتوين استراد، إذن هو مرتفع، أرضية مرتفعة، الاستراد، أرضية مرتفعة، بحال منصة، منصة، الاستراد سور لاكيل، سور لاكيل بلاسي لي سيكري، فوالا، دي لا بون ريبونس سي أ. نبقى قينا هادي، بوكوا راح ما جفلات لي صافي زينب، جاوبنا على هادي، قلنا صافي، جاوبنا على هادي، كي تي كونساكر لو مان سيت، قلنا غي سيتي. Chapitre Coran, je me l'ai dit. Depuis combien d'années sa famille de narrateur habitait Darchouafa? Très bien, 3 ans. Combien de jours durerait le congé de petit garçon? Deux jours et demi. Quel est le seul jour de la semaine où Mqaddam, où Mallam Abslam déjeunerait-il avec sa famille? C'est le mardi. Non, là, pas le mardi. C'est le vendredi. Pourquoi le petit garçon n'ira-t-il pas au psy le mercredi? Il n'avait pas préparé les leçons? Non. Elle voulait accompagner son père? Non. Sa jilab avait été tachée de sang. Elle était fatiguée. Qu'était Driss le Ténieux? Je connais Driss le Ténieux. Wesh, le frère de Zubida, l'épicier du coin, l'associé de Malam Aslam, c'est un apprenti. Quel sens donnez-vous au mot catafalk? Je me l'ai dit, Estrade. C'est là qu'est placé le secret. Alors, qu'est-ce qui montre que la famille du narrateur est assez aisée? Que la famille peut se prévoir souvent, mais que niche. Se prévoir vite des voisins, la famille peut manger de la viande. La bonne réponse, c'est ça. La bonne réponse est C. Quel prétexte avance à la gardienne et au musée pour inciter les deux familles à faire un don? Nourrir et soigner les chats. Nourrir et soigner les chats. Et voici la révision du chapitre 2. C'est avec vous, monsieur Youssef Dalel, de la chaîne Je Communique TV. C'est une chaîne pour apprendre et comprendre pour tous les niveaux scolaires. Alors, avec succès bac 1, pour vous aider, bien sûr, à passer le régional, l'examen régional. Alors, c'est fini pour chapitre 2. Rendez-vous pour d'autres chapitres de cette façon pour mieux réviser. D'accord? À très bientôt. À la prochaine vidéo.